avancer. Je ne sais pas, je ne pense pas qu'ils en aient l'intention. Ils sentent que peut-être la défense des Dragons peut faiblir, donc ils veulent au moins recoller au score. On va écarter le ballon à hauteur de 10 mètres avec la passe de Chase. Encore une fois, Wengie Chase. Oui, à surveiller, juste à surveiller de très près dans ce genre de situation. Là, il a donné deux passes au cordeau. Oui. Chase, on écarte le ballon. De nouveau, la passe de Jamie Ellis. Oh, papa, le crochet, il y va. Non, bien. Heureusement que Rémi Castier était revenu. Je crois que Rémi a empêché le joueur anglais de marquer cet essai. Qu'est-ce que vous en pensez, lui? Bah écoutez, Rodolphe, moi je pense que Rémi Castille, très expérimenté, a fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire il a bloqué la balle pour qu'elle ne rentre pas en contact avec le sol. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que le joueur n'aplatit pas cette balle dans le but, il glisse, mais elle ne tombe jamais. Moi je n'accorderai pas cet essai. Voilà, je n'accorde pas cet essai parce que regardez, Rodolphe, le ballon, il est à l'air. Il est à l'air. Qu'est-ce que vous en pensez, Boisdel? Ouais, je pense qu'il y a ici. Attendez, c'est ici qu'on va le voir. Oui, elle touche le sol. Elle touche le sol. La ligne. Effectivement. Essai, effectivement. Ouais. L'intervention de Rémi Castille est a posteriori. Trop tard. Ouais. Il n'y a pas de doute à avoir. Ouais. What we got, pal? Voyons. Ouais. Ah! Non, je pense qu'il va accorder le. Oui. Castille a bien intervenu sur la balle, mais elle avait déjà été en contact avec. Arbitrage vidéo. Oui. Tac. Essai. Voilà. Monsieur Turlet, arbitre vidéo, qui accorde.